Quand on construit tous ces mécanismes que vous avez décrits, qu'on les construit à deux, justement entre les deux papas, si j'ose dire, de la théorie, comment se passent les interactions? Oh, ça c'est une histoire, ça c'est compliqué. C'est extrêmement individuel. C'est-à-dire que ça dépend très fort des individus en présence. Dans votre cas. Dans mon cas, voilà. Il passait deux choses. Quand on s'est rencontrés pour la première fois aux États-Unis, Robert est venu me chercher avec une espèce de voiture qui ressemblait pas fort à une voiture parce qu'il n'était pas très intéressé par les gadgets modernes et il avait donc une voiture qui devait dater, je crois, du temps de l'invention de la voiture, quelque chose comme ça, mais qui roulait tout de même plus ou moins. Et donc il est venu me chercher à l'aéroport et on a tout de suite vu que sur le plan humain, nous étions proches parce que nous avons passé. Après ça, nous avons été prendre un verre dans un café, mais ça s'est prolongé presque toute la nuit. On a discuté autre chose. Donc, nous avions clairement une possibilité d'entente. Ce n'est pas pour rien que ça a été mon ami pendant essentiellement toute sa vie. Et une bonne partie de la mienne, évidemment. Et. Toute sa vie, je veux dire, celle à partir du moment où je l'ai rencontrée, bien sûr. Et, ça c'était du point de vue, je dirais, humain. Du point de vue, alors nous avons commencé à travailler ensemble, et là il s'est avéré, très étonnamment, que nous étions très différents. Je crois qu'on peut, d'une manière extrêmement simplifiée, dire que lui était plutôt de formation, je dirais, anglo-saxonne, dans le sens où, très souvent, aux États-Unis, par exemple, l'acquisition des choses en physique, il suffit de jeter un coup d'œil sur le livre de Feynman, qui est un livre magnifique, se fait par. En général, en passant de l'image au formel. Autrement dit, elle est plus intuitive dans le sens général du terme, c'est-à-dire qu'on se fait une image de ce qui se passe, et puis on formalise par la suite. La formation que moi j'ai eue, on peut peut-être la qualifier de latine, elle est un peu l'opposé. Moi j'avais en tous les cas une tendance à voir les choses plutôt de manière formelle et de mettre l'image ensuite. Et évidemment, ça demande aussi une intuition, mais l'intuition se fait de l'autre côté, du côté du formalisme, plus que du côté de l'image. Au départ, on était comme ça. Je crois que nous n'étions pas stupides et nous avons bien compris comment l'esprit de chacun fonctionnait. Et après très peu de temps, d'ailleurs, on a vraiment compris comment l'autre réfléchissait et à tel point que, en général, quand l'un de nous faisait une phrase, c'était l'autre qui la terminait. J'étais d'ailleurs très content de faire ça parce que un peu moins l'autre, évidemment. Mais voilà. Donc je veux dire que. Il y a eu, en fait, cette différence était très positive parce qu'elle a joué un rôle de complémentarité à partir du moment où on pouvait se parler et comprendre ce que l'autre voulait dire.